Je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à installer Google Earth sur votre ordinateur. Alors, avant de procéder à l'installation, je vais vous parler un petit peu de Google Earth. Donc, Google Earth est un produit de cartographie proposé par la société Google. Alors par exemple, vous partez en voyage et puis vous voulez préparer un petit peu votre parcours. Il est possible avec ce logiciel de visionner les lieux touristiques. Autre chose, par exemple, vous faites une location par exemple en Bretagne, en bord de mer, afin de vous assurer que votre location se situe vraiment en bord de mer, vous pouvez aller visionner sur la carte le lieu que vous avez réservé. Donc ici on est sur le bureau, je vais lancer mon navigateur Microsoft Edge. Donc une fois que je suis sur le moteur de recherche Google ou un autre, je vais taper Google Earth. Donc ici je vais venir chercher le premier lien, Google Earth. Alors venez chercher plutôt sur Google Earth, parce que vous allez pouvoir trouver Google Earth sur d'autres sites comme Clubic ou autres. Moi, je vous préconise de venir le chercher directement sur le site de Google. Donc là, je vais cliquer dessus. Et ici, on a un petit bouton Google Earth, télécharger Google Earth. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, ça c'est le contrat qui vous lie avec Google. Donc là, vous allez accepter et télécharger. Donc là, on va faire enregistrer sous. On va venir dans le dossier téléchargement et on va appuyer sur enregistrer. Ça prend quelques secondes. Donc là, maintenant, je vais procéder à l'installation du logiciel sur mon ordinateur. Donc là, je vais appuyer sur le bouton exécuter. Donc là, vous ne le voyez pas à votre écran, mais vous allez avoir une demande d'autorisation. Donc là, vous allez appuyer sur oui. Là, il est en train de procéder au téléchargement puis à l'installation. Voilà, l'installation est faite. Alors, je vais vous montrer de façon basique comment faire une recherche. Ici, par exemple, je cherche la ville de Quimper. Je vais taper Quimper. J'appuie sur le bouton rechercher. Et il va venir m'amener sur la ville de Quimper. Je vous remercie de votre attention et espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!